Seigneur. À nous disposer que nous, mes bien-aimés, dans un moment ça, pour nous capables d'entendre la voix, Seigneur. Hein? Puisqu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de parole, bon Dieu, frère Semio, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, nous avons lu les versets 16 à 18. Merci, Seigneur. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. Que le Seigneur capable bénir portion écriture ça pour édification commune, pour édification tout le monde qui l'a. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour parole. Mes bien-aimés, nous arrivons très loin dans la thématique là. Nous arrivons très loin. Le Seigneur commence avec nous depuis premier jour, et je dis à nous arriver dans 21e jour, et le Seigneur parlait avec nous à travers serviteur, servante Lio, sous thématique ça, qui c'est le renouvellement spirituel. Le renouvellement spirituel que nous joignons dans 2 Corinthiens 4, verset 16, particulièrement, c'est verset ça que nous gagnons comme référence. Notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et l'engagé dans 1 Pierre 3, le verset 4, il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Je dis à moi, Vindio, c'est pour renouveler. Et ça, je me pour aujourd'hui, c'est pour renouveler. C'est un mus que lié. Soyez renouvelés. Et c'est là, mes bien-aimés, apôtre Paul fait distinguer clairement entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Il dit bien, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et apôtre Pierre lui-même, il va relayer l'homme intérieur ça, l'homme caché du cœur. Alléluia. L'homme caché du cœur. C'est dans la même optique là, oui, dans la même logique là, apôtre Paul lui-même l'a appelé l'homme intérieur. Apôtre Pierre dit, l'homme caché du cœur. Alléluia. Merci Seigneur. L'homme extérieur, mes bien-aimés, nous connaissons déjà, c'est corps physique là, avec cinq sensios, cinq organes de sensios, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Donc, sans ça, mes bien-aimés, c'est moyen, pour l'homme connecté avec l'environnement. Donc, toute connexion que l'homme a gagnée avec l'environnement, c'est à partir de l'homme extérieur.
Parce que corps humain, mes bien-aimés, il n'est pas capable de recevoir information l'autre gens que par 500 saillants. Mais l'homme intérieur, cependant, là qu'on y a, mes bien-aimés, ça sont l'autre affaire. C'est l'esprit humain, c'est non, c'est le siège de son esprit, c'est siège esprit l'homme, c'est volonté, c'est émotion. Donc, l'homme intérieur, c'est vrai au même nom. La paix, bon Dieu, avec vous. C'est-à-dire que l'homme intérieur, là, est le vrai vous. C'est vrai au même nom. Sa yeux naturel pas ouéa. Moun sa que yeux naturel pas ka ouéa. Et c'est lui-même qui vrai moun nan. C'est lui-même qui vrai au même nom. Parce que c'est l'homme. L'apôtre Paul a parlé de l'homme intérieur. C'est l'homme à l'intérieur de l'homme. Papa, bon Dieu, avec vous. C'est l'homme à l'intérieur de l'homme. Vrai moun nan kap vive nan corps physique ça. Vrai moun nan kap vive nan enveloppe ça. Et c'est lui même qui recevra salut Christ là, qui lié à bon Dieu à mes bien-aimés. C'est lui même. Et ça fait l'on confesser, l'on croit nan Jésus ou confesser la seigneurie de Jésus, eh bien mes bien-aimés, c'est pas corps extérieur qui naît de nouveau. Ce n'est pas l'homme extérieur qui naît de nouveau. C'est l'homme intérieur, votre esprit humain. Et ça fait, on a parlé de l'homme intérieur. L'homme intérieur, mes bien-aimés, l'on parlait, c'est l'homme intérieur qui a parlé à travers l'organe ça qui se bouche là. C'est ça qui fait, l'on parlait, c'est ça qu'en dedans qui sortit. La paix, bon Dieu, avec vous. C'est mon ouye, ah oui, qui sorti. C'est lui-même, c'est mon ouye en dedans, qui a exprimé à travers le corps physique là. Et c'est peut-être ça qui est important, mes bien-aimés, que vous devez naître de nouveau. Et c'est ça que je dis à moi, c'est pour renouveler. Moi, je viens toujours dire, c'est pour renouveler. Renouvellement, ce n'est pas si vous voulez. Faut renouveler. Je dis, c'est pour l'ouvrir votre cœur, alléluia, pour accepter Christ, hein, pour capable renouveler. Hein. Parce que c'est l'homme intérieur, hein, c'est lui-même qui prend le sorti. Et pour le sorti, mes bien-aimés, Jean bon Dieu voulait là, c'est pour nous, c'est pour le renouveler. Alléluia. C'est peut-être ça qui est important pour naître de nouveau. C'est pour l'homme intérieur, ça, passer par la nouvelle naissance spirituelle. C'est ça nous relève, la récréation de l'homme intérieur. Alléluia. L'esprit humain. Pour être capable de venir, mes bien-aimés, la demeure de Dieu, pour être capable de venir, temple cet esprit, pour être capable de venir, alléluia. Ça que bon Dieu choisit pour habiter, pour capable vin adresse bon Dieu, pour capable vin tabernacle là, mes bien-aimés, faut cliner de nouveau, faut qu'on renouveler. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés, il y a pile monde qui focus sur ça qui a passé dans le corps physique là. Bon bon monde qui préoccupé, bon bon monde qui focus sur dehors. Yo préoccupé par ça qui a passé dans dehors. Yo focus sur ça qui a passé sous dehors dans corps dans l'homme extérieur là. Et yo pas rendu yo compte ça qui a passé en dedans. Yo pas rendu yo compte que yo c'est des êtres spirituels. Merci Seigneur. Yo pas rendu yo compte. Yo pas n'importe moun, yo c'est des êtres spirituels. Donc ça veut dire, mes bien-aimés, primauté, li doit son formation et éducation, l'homme intérieur. Ou ap krasé corps pour dehors, ou ap krasé corps pour gérer dehors, et puis on néglige en dedans.
Et en dedans, mes bien-aimés, c'est la personne, c'est le caractère ou même. Et je dis ça fait si dehors, au content des proverbes qui dit, si dehors pas bail, si en dedans pas bail, dehors pas qu'à acheter. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Si en dedans pas bail, dehors pas qu'à acheter. Si nous avons appliqué sur le plan spirituel, nous avons dit, c'est en dedans qui bail dehors. Nous avons dit, c'est en dedans qui bail dehors. Donc, là où vous avez gardé le monde, vous avez gardé les gens qui ont agi, c'est en dedans qui a agi, mes bien-aimés. Mon nan agit mal, c'est en dedans qui mal. Mon nan agit bien, c'est en dedans qui bien. C'est intérieur qui bien qui font la agir bien extérieurement. C'est en intérieur qui mal qui fait que la agit extérieur mal. La Bible dit dans Proverbe chapitre 20 le verset 27, il dit le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Alléluia. Le Seigneur, mes bien-aimés, les communiquer avec l'Esprit pour le capable de conduire et pour le guider, pour le orienter. Lui entrer en contact avec vous à travers votre esprit, à travers l'esprit, à travers l'homme intérieur. C'est là, bon Dieu, communiquer avec vous. Par conséquent, si l'homme intérieur n'est pas éduqué, si l'homme intérieur n'est pas formé, qui ça peut passer, mes bien-aimés? On pas capable de plaire pour Dieu. On pas capable d'agréable dans yeux parce que extérieur n'est pas bon. Donc moi dois exercer, moi dois éduquer l'homme intérieur, moi dois éduquer l'esprit avec la parole de Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Alléluia. C'est ça que fait mes bien-aimés. Apôtre la doula, même si comme moi, a baissé chaque jour, mais l'esprit restait toujours jeune. Où est la parole là? Quoi, mes bien-aimés, l'a détérioré année après année. Au fil des années, quoi, le corps physique l'a détérioré. Et quand ça a détérioré au fil des années, mais bien aimé, il n'est pas facile pour accepter. Et ça fait qu'on parle, il y a un pile monde, corps physique a détérioré, il n'a pas voulu accepter. Il n'a pas voulu grand monde, il n'a pas voulu des douleurs, il n'a pas voulu cheveux blancs, il a noirci toute la journée, il a préféré coyo. Yo fait opération sur opération parce que yo pa vle rete, yo pa vle accepter que corps l'a dégradé. Yeux affaibli, vision a diminué, audition a diminué, réflexion a diminué, mais nous pa vle accepter. Nous pa vle accepter. Et regardez ça. Parole bon Dieu dit non. Même si corps a baissé chaque jour, mais l'esprit me restait toujours jeune. Alléluia. Mais bien aimé, avec toute douleur, avec toute maladie, quitte les petits, quitte les gros, la vie vient compliquée. Et c'est ça qui vient ouais, c'est ça qui vient fort ouais. Il y a plein de monde qui pas voulu accepter vieillesse. Yo pa vle accepter détérioration, hein? Yo vin aigri, yo amer, yo toujours sur les nerfs, yo toujours fait colère. Parce que, bon, réalité, yo pa vle accepter. Yo pa vle accepter que corps a pas même gens encore. Ça quoi te kon fait à 20 ans, pa ka fait la 40. Ça quoi te kon fait à 40, pa ka fait la 60. Ça quoi te kon fait à 60, pa ka fait la 70. La Bible dit ça. Quoi a dépéri, l'a détérioré. Mais maintenant, qui j'en moi-même avec ou qui chrétien, est-ce que nous devons réagir même gens avec tout le monde?
la paix bon Dieu avec vous. Amen. Est-ce qu'on fait là? Amen. Amen. Si nous-mêmes, si nous sommes chrétiens, mes bien-aimés, nous avons en pile raison pour ne pas réagir même avec tout l'autre. Si nous sommes chrétiens, nous n'avons aucun problème pour qu'on ait cap détérioré. Alléluia. Nous avons raison pour nous accepter. Nous avons raison pour nous, alléluia, accepter qu'on ait cap descendre. Parce que parole l'a dit, moi, l'esprit nous était toujours jeune. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et ça fait le Seigneur continuer à déverser sur nous l'esprit. Alors l'esprit n'est pas capable de déverser dans la vieille, dans l'ancienne nature. Non, mes bien-aimés. Et ça fait nous faut qu'on renouvelle. Pour l'esprit à renouveler chaque jour, il faut qu'on ait de nouveau la paix bon Dieu avec vous. Amen. Ce n'est pas vieille nature. Là, nous avons renouvelé chaque jour. Donc, plus monde qui va venir préparer ça pour eux, parole ça pas pour tout le monde. Renouvellement pas pour tout le monde. Retention pas pour tout le monde. Amen. Donc, monde qui va venir prendre d'assaut, il n'est pas pour tout le monde, mes bien-aimés. C'est lorsque mon Christ dans la vie, le Seigneur continue à déverser l'esprit sur moi, à chaque instant dans l'existence moi. Donc, la vieillesse, mes bien-aimés, oui, il est capable ou occasion pour ralentir l'activité. C'est vrai, vieillesse ralentit l'activité, mais c'est pour bonne occasion pour rapprocher un peu plus de Seigneur. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Est-ce que vous entendez ça, vous dire là? Amen. 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 Le grand monde Daniel, mes bien-aimés, Daniel a pratiqué une prière fervente. Le grand monde Daniel, Daniel a prié avec ferveur, mes bien-aimés. Il a intercédé pour le peuple avec ferveur pendant le grand monde octogénaire. Nous devons penser tout à Caleb, malgré vieillesse. La servie bon Dieu. Nous avons pensé avec Anne, en notre plan, grand monde, qui a servi bon Dieu, nuit et jour dans la prière, à 84 ans, mes bien-aimés, en a prié jour et nuit, la chercher face bon Dieu. Et grand monde, ou même je dis, ou maintenant tête ou grand monde, oui, ou grand monde, l'esprit toujours était jeune. L'âge, pas pour rien. C'est quoi physique là qui âgé? L'esprit pas âgé. La paix bon Dieu avec vous. Mais, c'est quoi physique là qui a 80? Qui est 80, 82, 84, 70? C'est quoi physique là, mes bien-aimés? Mais le Seigneur dit, l'esprit reste toujours jeune. La paix bon Dieu avec vous. Et ça fait au parloir, au verset suivant, il dit, il parlait de légère affliction du moment présent. Ouais. Il dit, si m'a subi kounyea, ça m'a subi kounyea, c'est une petite souffrance qu'il a pour passer. C'est une petite souffrance qu'il a pour passer. Ou en soye jodia, son petite souffrance qu'il a pour passer. Il n'est pas là pour tout le temps. Vous connaissez ça que fait ça? Mes paroles là. Mais souffrance ça apparaît pour moi un bel pouvoir cap là pour tout le temps. Alléluia. Merci Seigneur. Nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous capable de dire aujourd'hui, mais pasteur Karl, je pas seulement de légères afflictions. Et pas de souffrance comme je dis aujourd'hui. C'est depuis que je souffre, oui. Je suis en pile souci. Je suis nouvelle pour aujourd'hui. Ou même qui dit que ce n'est pas de légères afflictions que je suis souffre depuis longtemps. C'est depuis qu'on a existé. Depuis qu'on est au sous-tête, je suis passé misère. Je suis souffre.
c'est saute dans ça al dans ça saute dans ça al dans ça tout est relatif. Et par rapport, mes bien-aimés, à l'éternité de bonheur, captant nous comme petit bon Dieu, où est tout si ça va parler là, son petit goût de l'eau dans l'océan. Levez tête aujourd'hui. Gardez Jésus. La paix bon Dieu avec vous. Ou même qui souffre. Ou même qui dit de pour petit va souffrir. De pour qu'on ait connaissance. C'est souffrir ou souffrir. Levez tête ou gardez Jésus. Levez tête ou gardez Jésus. Levez tête toujours à garder Jésus. Sont pas impressionnés par les flots déchaînés qui saignent ou qui ferment en tous côtés. Est-ce que c'est pas le Seigneur? Est-ce que c'est pas Seigneur Jésus nous hein, qui fait nous promettre ça, mes bien-aimés? Qu'à chaque épreuve, il prépare un moyen pour sortir la donne. Seulement, quittez Jo fixé sous lui. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Suspendez de vous, pitié, ou souffrir. Suspendez de vous, pitié, de vous, qu'on ait connaissance, ou passer misère. Nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Si vous connaissez qui ça capte, nous, qui sont après là, son petit exercice que lié. Ça m'a subi kounye. C'est une petite souffrance qu'il a pour passer. Mais souffrance, ça a parlé pour moi, un bel pouvoir qu'il a là pour tout le temps. Pouvoir qui dépasse, qui souffre ça en pile. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Je dis assez pour renouveler. Car le Seigneur, ce n'est pas être intérieur seulement la renouveler. Ça fait, regardez verset 18 là, Lidou, c'est là, mes bien-aimés. Il vient inviter vous. Regardez qui ça, verset 18 là, inviter nous fait. Ouais. Regardez qui ça, l'on sorti dans le renouvellement, et mes côtés le mené. L'on renouvelé, mais qui côté le mené. Les menés, mes bien-aimés, côté pour faire action ça. Les choses visibles sont passagères et les invisibles éternelles. Nous avons passé des moments bénis devant mon Dieu. Alléluia. Ou entrer dans la consécration. Ou servir mon Dieu, mes bien-aimés, avec zèle. Ou tout retourner dans l'adoration. Ou pratiquer l'adoration individuelle. Ou bien ou venir l'église là. Ou rassembler avec notre frère, avec notre soeur. Ou entrer dans l'adoration collective. Eh bien, mes bien-aimés, ou gagner un avant-goût de sa capitaine nous en l'air. Quoi qu'il arrive, je dis à moi, je dis, ne perdons pas courage. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Chaque fois où il y a un commencement, apôtre la doux, pas faire du courage, c'est ça que fait. Moi, pas jamais décourager. Je dis à moi, je dis, pas décourager. Pas décourager, mes bien-aimés, parce que le Seigneur l'a renouvelé force. La pour renouveler, alléluia, ça fait renouvellement, c'est pas simulé, le Seigneur vient mando pour renouveler, et renouvellement, mes bien-aimés, lui viser tout ou même, alléluia, lui renouveler force ou, le Seigneur renouveler tout ou même. Esaïe 40, 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qui monde qui capable de marcher pas fatigué? Pas de monde qui marche pas fatigué. Mais leur confiance en l'Éternel, ça est possible, mes bien-aimés. Ou marcher pas jamais fatigué. Confiez-vous dans l'Éternel. Fais bon Dieu confiance pour toute bagaille. Fais bon Dieu confiance pour toute bagaille. Il ne peut jamais abandonner petit lit. Et ça fait d'où là pour renouveler force. Somme 84, verset 8 dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu. La paix, bon Dieu, avec eux.
Dans marche chrétienne, on met bien aimé, ou besoin de force. Et monde qui peut faire ça, c'est bon Dieu. C'est lorsque vous mettez ton confiance dans bon Dieu, force va augmenter. Force à renouveler chaque jour. Et ça, ça nous en fait nous qu'on aime bien aimé. Donc je dis à sous besoin, dans marche la vie, dans marche chrétienne, non. Ou pas besoin de produits énergisants. Ou pas besoin d'albouer aucun produit dopant. Je dis à la énergie qu'on a besoin, produits énergisants qu'on a besoin, produits dopants qu'on a besoin, dans marche la vie, dans marche chrétienne, non. C'est la confiance en l'Éternel. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Et ça que je suis capable d'aujourd'hui, ça pour consommer aujourd'hui sans modération, c'est la confiance. Oui. Consommer la confiance sans modération, ou mettre un jovelet, il n'est pas intoxiqué, il n'est pas dérangé, il n'est pas aucun effet secondaire. Consommer sans modération la confiance, alléluia, en l'Éternel. Parce que force a renouvelé mes bien-aimés. Je dis à vous besoin que force ou renouveler. Ou besoin, à côté de être intérieur, et le Seigneur lui-même lui fait tout renouvellement sa yo, renouvellement son package que lié. Li pa quitte au comme ça. Et après, Salmi Sabraldou, dans Somme 143, le verset 8, li pa dou, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Si je dis ou pas dans la route, là, mes bien-aimés, c'est parce que ou pas fait bon Dieu confiance. Si je dis ou là, ou à droite, ou à gauche, ou à errer, c'est parce que vous mettez confiance dans l'autre bagaille. Si je dis ou mettez confiance dans bon Dieu, ou à prêter sur route là. Parce que le Seigneur a fort qu'on est route là. La bonne force. Et vous apprêtez dans la route là, la montre au chemin. Parce que force vous augmenter pendant que vous marchez. Et seul bon Dieu qui a fait ça pour vous. Et vous regardez, sacré les grands mounes, ou pas qu'on est. Il faut toujours être jeune. Et ça le dit dans Somme 103, le verset 5. Il dit ça. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qu'il te fait rajeunir comme l'aigle. Chrétien pas gagné pour le peu vieillesse. C'est monde qui dehors vieillesse son problème boulé. L'a fait toute qualité manœuvre, l'a fait toute qualité exercice pour combattre vieillesse. Vieillesse pas un problème pour petit bon Dieu. Parce que ou a rajeuni. Bon Dieu renouvelle jeunesse. Et c'est ça qui fait renouvellement, les gros significations tout rajeunir. Les significations, mes bien-aimés, métamorphosé, parce que ou a vieilli, ou a perdu force, agilité ou réflexe ou acuité ou tout bagage ça yo. Mais l'orité dans bon Dieu, ou mettez confiance ou dans bon Dieu, quoi à mettre dépéri, mais l'espoir était jeune. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Mes bien-aimés, connaît bien, bon Dieu, li vini pour le renouveler, et li mando pour renouveler, c'est pas souvelé. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ou capable focus sur dehors. Ou dehors a fini. Ou dehors a détérioré. Ou dehors a dégradé. Pas perdre courage. L'espoir était jeune. C'est vrai ou maintenant qui est important. Enveloppe là pas important. C'est pas grave. Oui, ou capable gérer, ou capable garder dehors ou pas ça pas veut dire pour laguer corps. Parce que l'abdité yore pour tout lage pour l'aller. Oui, ou capable garder, ou capable gérer. Mais ça qui est important, c'est intérieur qui renouvelé. Et ça fait ou besoin habillé, revêtu avec nouvelle nature ça. Que bon Dieu fait au cadeau lorsque vous acceptez Jésus. Et je dis, ou même captant de m'la, sous pourquoi l'ouvrir votre cœur pour recevoir nouvelle nature ça. Et c'est nouvelle nature ça qui pourra le renouveler chaque jour par le Saint-Esprit. C'est pas vieille nature là. Donc parole ça li capable en vérité pour vous. C'est si ou le reporte que au matin et pour dire Jésus
m'accepter. M'accepter comme sauveur. M'accepter comme Seigneur. Viens régner dans la vie, moi. Oui. Moi, j'ai besoin de régner dans la vie, comme Seigneur. Moi, j'ai besoin de m'atteindre. Et si vous faites ça, vous pouvez jouir de renouvellement ça. L'esprit ou a toujours été jeune. L'esprit ou a toujours été jeune. Mais si vous ne faites pas ça, vous pouvez détériorer et en dedans et dehors. Et le Seigneur pas voulu détériorer en dedans. Il pas voulu détériorer. Matthieu, Colossiens 3, verset 9 dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Frère Semio, Zamim, ou même qui l'a avec nous, qui visite nous, ou même Captain Demla, un peu partout, quelque soit côtoyé jodi a, ou capable de poser action ça pour qu'on tout. Ou t'as remis renouvelé, ou t'as remis été toujours jeune. L'esprit ou t'as remis l'esprit ou été toujours jeune. Parce que corps a dépéri, mais l'esprit ou pas besoin de dépéri tout. C'est l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Matin, l'ouvre pas de cœur pour recevoir. Nouvelle nature, ça, qui est capable de renouveler. Qui est capable de renouveler, qui est capable de toujours être jeune. Le Seigneur vient pour le dépouiller d'une ancienne nature, ça. La nature terrestre, la chair, il n'est pas capable de concevoir les choses du royaume. Il n'est pas capable. Et c'est peut-être ça. Demandez-vous pour renouveler, pour transformer par le renouvellement de l'intelligence. Frère Semio matin, sous tant de voix, Seigneur, pas fait être aide. Pas fait être aide. Répondre. Dis Seigneur, mais refusez vivre selon dictat la chèvre. Selon dictat, comme, selon dictat, l'homme extérieur, m'pa vle vivre selon lui-même encore. Moi vle totalement, jodi a, soumettre-moi à Seigneurie parole et à direction l'esprit que Saint-Esprit va ban moi. Oui, Seigneur. Moi, je voulais mener une vie qui est agréable. Moi, je voulais mener la vie transcendante ça, de gloire inhérente à l'esprit. Oui, aidez-moi à faire ça. Au nom de Jésus. Si vous confessez comme ça, le Seigneur a agi puissamment dans la vie. Et vous venez dans l'autre monde. Ou à venir dans l'autre monde, parce que ou à bal place que le mériter, ou accepter, ou reconnaître que ou pas voulez marcher selon la chair encore, ou voulez que les vignes prennent place li, comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, au nom puissant de Jésus.